Non mais Jeanne, qu'est-ce que tu fais là, à glousser là? On t'a rodé à sec à côté. Alors, sous prétexte que t'es une vedette là, on va plus picoler? Oui mais moi j'ai des moyens limités hein. Et ben t'as qu'à aller chez Ben Ali. Bien sûr. Il te fera crédit Ben Ali. C'est pas le moment de compter, on va t'aider Jeanne, enfin tu nous connais. Oh là, ça me touche beaucoup, ça c'est gentil. Mmh. Attends, on va t'aider à porter des bouteilles. Ouais. Pour ça on n'est pas feignant avec Jean-Claude. Allez. Chez Ben Ali. Mais non, attends, c'est vachement cher chez Ben Ali. Mais à cette heure-là, tu trouveras que de l'huile ouverte, de par le fait. Écoute, Jeanne, t'es vraiment lourde. Hein. Moi, je me casse le cul à organiser ta fête. Hein. Et pendant que tu passes à la télé, je discute avec Carole pour tes augmentations. C'est pas vrai. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois? Attends, Jeanne Bignon sur M6, c'est toi la vedette, c'est énorme. Ouais, explique-lui, elle m'énerve, je te jure. Jeanne, ce n'est pas le moment de rater la marque. Exactement, on en parlait tout à l'heure. Et puis ça aidera ce pauvre monsieur Ben Ali avec toute sa famille dans par cette petite épicerie. Bien, ça. Mais pourquoi tu dis ça? Quoi? Mais il est pas malheureux Ben Ali. Il est toujours en train de chanter sa chanson là. Ah ouais, ça fait déjà. Ça non, fait... Mais non, c'est pas ça, Jean-Claude. Mais j'ai encore rien dit. Oui, mais je sais que tu vas te planter. Ça fait. Attends, c'est je vais vous moi, le dire. Ben Ali, tais-toi, je réfléchis, tais-toi. Mais non, mais je te dis que c'est ça. Mais comment veux-tu que ça soit ça? Tu saurais mieux que moi. Non, mais ça va pas, quoi. C'est moi! Mais non, ça c'est Serge Lamy, la Serge Lama, ça, c'est chez moi. C'est moi, Ben Ali. Mais non, tais-toi, je te jure, c'est fait, c'est moi. Ah, c'est peut-être ça. Ah, ça j'ai trouvé, ça fait, c'est moi, Ben Ali. Trépicier, bien décidé à me servir avec sourire, question pour l'eau. Pas de répit, surtout quand il s'agit d'être présent pour mes clients. Quand je vais chez Métro, pour faire mes courses en gros. Deux, trois chariots, je n'en ai jamais trop. Je fais tous les rayons pour voir les promotions. Et quand j'achète le lot, ils me font la réduction. Et c'est moi, Ben Ali, votre épicier, bien décidé à vous servir avec sourire, question bolo. Pas de répit, surtout quand il s'agit de me présenter pour mes clients. C'est moi, Ben Ali, votre épicier. Bien décidé à en servir avec sourire, question boulot. Pas de répit, et on y en de là-bas, il n'y a plus de ci d'ici. Ah non, il n'y a plus rien. Oh là, c'est Jean-Claude? Non, je me suis cogné contre mes pieds en dansant. Quel maladroit je fais. Bien sûr. C'est touchant chez vous, hein. Vache. Ah bah ouais, mais attends, il faut être velu pour sortir sans veste par ce temps-là, t'es marrant, quoi. Hey les gars, cacahuètes, pastis, y a des munitions. Il n'y a pas de champagne, rien. Du cidre. Quoi, c'est l'avant-garde, ça. Le reste des munitions arrive par les escaliers. Tiens, la Jeannette. Vous êtes déjà arrivés? Bah oui, on a pris l'ascenseur. On pourrait peut-être tous l'aider. Je vais l'aider, mais... Je vais y aller. Ouais. Il est marrant, lui, c'est qu'est-ce qu'on fait, l'aider? Bien sûr. Vous êtes vraiment des mufles. Quoi? Mais attendez, mais si c'est la fête de Jeannette, vous la connaissez pas, ça la vexerait si on l'aidait. Exactement. Ah voilà, elle veut s'occuper de tout, elle est comme ça, Jeannette. Ouais. Allez, à plus tard. Franchement, vous auriez pu faire preuve de galanterie. Hein. Heureusement, il y a encore des hommes comme Sylvain. Mais... D'où que c'est un homme, Sylvain? Enfin, Nancy, il est gaulé comme une portion de flan, hein? Alors que là, c'est que du gâteau, hein? Ah oui, imbibé le gâteau, hein. Tendance baba au rhum. Ouais,
Méfiance du jaillissement de l'éclair aussi. Et puis paf.